Bonjour, aujourd'hui j'avais une folle envie de vous proposer une nouvelle vidéo, ce qui n'est pas coutume. Et aujourd'hui je me suis dit que ce serait vachement marrant de faire une vidéo dans laquelle je fais des recherches Google. Vu comme ça, ça peut être totalement débile et normal, mais des recherches Google en utilisant seulement une lettre ou un mot, et laisser Google faire le reste. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, let's start the research... faut que j'arrête. Donc, on y va, c'est parti. Bon, bah le A... Amazon, bon, ok. Adil Rami, actualité, Auchan, Amélie, Amélie Santé, c'est la sécurité sociale, hein, ceux qui posent la question. Antoine, il fallait compléter, il fallait dire Griezmann, si vous ne l'avez pas dit, c'est bête. Hein. Airbnb, Asus, oui, pourquoi pas, Action, ils sont là. Auchan Drive, ok, bon, dois-je conclure que les gens sont portés sur Auchan et sur Airbnb ainsi que Action, je ne sais pas. On va commencer avec le B, Bon Coin. Alors, je dois vous expliquer un truc, hein. C'est que ce fameux site internet de petites annonces ne s'appelle pas Bon Coin, mais s'appelle Le Bon Coin. Et en plus, c'est tout collé, c'est un mot, Le Bon Coin, c'est un nom de boîte, voilà. Donc, Bon Coin, ça ne veut rien dire. BNP, oui, c'est une banque. Boulanger, Banque Postale, Brico Dépôt, je suis en train de citer des marques, hein, tout va bien. Brigitte Macron. Je le savais. Merci. C'est génial, Google, je t'adore. Booking, Badou, ok. Blablacar et But. Blablacar, j'ai envie de me faire de l'argent, donc si vous voulez voyager avec moi, il n'y a pas de souci. C, ah, merde, j'ai cru qu'elle allait me dire connard et tout, mais bon. Cdiscount, CAF. D'accord. Coupe du Monde, Crédit Agricole, Conforama, Crédit Mutuel, Castorama, Classement FIFA, Carrefour, Croatie. Avec toutes les marques que je viens de citer, mon Dieu, je serai riche. On va passer au D. On va pas faire toutes les lettres. Hein. Là, on s'arrête au D. Après, on va mettre des mots. Didier Deschamps. Ah, regardez-le comme il est beau. Regarde-moi cette tête. Ah, merde, c'est pas assez grand. C'est pas assez... Attendez, je cherche des images de Didier Deschamps. Là. Et bien, en Colstar Cravate, des grosses images. Là. Vous en avez une, là? Voilà, ça c'est bon, ça regarde. Ah, regardez-le, vous imprimez ça, vous mettez ça dans votre chambre, c'est quand même pas beau ça. Bon, il est un peu flippant là, on dirait qu'il va bouffer quelqu'un ou qu'il regarde un truc, je sais pas quoi. Mais c'est Deschamps ça. Ah là là, c'est beau. Il est beau. Il est beau Deschamps. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Nagui il est là? Tu cherches Didier Deschamps? Il y a Nagui dans les images. Allez, on va mettre des mots maintenant. Oui, des mots qui me passent par la tête, hein, genre par exemple vendre. Vendredi, porté sur le vendredi le truc, d'accord, vendredi 13, vendredi tout est permis, il y a vraiment des gens qui regardent encore ce truc, vendredi sur mer, quoi, attends un peu, qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est quoi ça, groupe de musique, t'es sérieux là, attends, j'ai loupé un épisode là, c'est, qu'est-ce qu'ils font comme musique, j'écris des chansons, je ne les chante pas. Pouah, la vache. Le mec va se foutre dehors tout le mec qui fait de la musique. Bon, c'était vendredi sur mer, je ne connaissais pas, je suis ravi de connaître les 30 premières secondes d'une de mes plus belles musiques de toute ma vie. Dis-moi un mot au pif, frérot. Étagère. Étagère, c'est parti, étagère. Ça s'écrit comme ça, oui, ça s'écrit. Étagère murale, étagère IKEA, étagère en bois, étagère salle de bain, cube. C'est pas intéressant, on va changer de mot. On va marquer Mac, allez, parce que j'ai un Mac. Macron, direct, ok. Massif, c'est une assurance. McDo, McDo, putain. Massif Boulogne-sur-Mer. Comment tu sais où j'habite? Ah, contrairement à ce qu'on pense, non, je n'habite pas à Boulogne-sur-Mer. C'est con, hein. Pff, un putain de mot sorti de l'espace. Fleur, c'est parti, fleur. Fleur pour se laver. Jaune, c'est ça qui s'appelle une fleur. Attends, on appelle ça une fleur. Je vais te montrer ce que c'est qu'une fleur. Regarde, ça, c'est une fleur. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est une, c'est pas une fleur, c'est une éponge pour se laver. C'est un grattoir, moi j'appelle ça un grattoir. On va mettre voiture, allez, hop, voiture. Occasion sans permis électrique hybride, ouais bon. Encore d'occasion, voiture brûlée. Voici des images de voitures brûlées, hein, ce n'est pas drôle, mais je suis tout seul à me marrer. Voilà, des voitures brûlées, hein, voilà, encore des voitures brûlées, bizarrement c'est à propos du 14 juillet, bon, les gens sont si mal éduqués que le 14 juillet ils font pas la fête mais ils brûlent les voitures, pas mal, regardez, une Renault en train de brûler, c'est normal, hein. Là ce que vous voyez c'est normal, une Renault en train de brûler
c'est classique. Mais comme par exemple, là, c'était une Ford Mondeo à cause de les phares. On voit bien la forme des phares, c'est une Mondeo. Ça, c'est pas normal, par contre. Une Mondeo qui brûle, non, c'est pas terrible. Bon, on va arrêter avec ça. Radio, allez, c'est parti. Hop. Radio en direct, radiologie. Putain, la vache, ça n'a aucun rapport entre les deux. Radio 6, c'est une radio de chez nous, super. Radio Meux, frère. Putain, c'est existe. Radio Meux est une web radio indépendante créée à la Clusaz. Oh là là, il est temps que je fasse faillite. Hein. Par Philippe Thévenet en 2007. Non présente sur la bande FM. Oui, d'accord. Sur la bande FM, elle est écoutée uniquement en ligne, sur Internet. Bah oui, en ligne, c'est sur Internet. Attends. Alors qu'est-ce qu'ils font, Radio Meux là? Putain, et wesh, Radio Meux, je savais pas du tout que ça existait. Alors je suis désolé, je peux pas capturer le son du MacBook. Donc je fais à l'ancienne avec le micro. Et on finit cette vidéo avec une petite note d'humour, puisque je vous assure que ça existe. C'est vraiment pas une blague, il y en a vraiment, ça existe. C'est le vin de merde. Ceci n'est pas une blague du tout, ça existe réellement. Il y a une boîte qui commercialise du vin de merde. Regardez, tout simplement, ouais. Ce n'est pas une blague. Je vous assure que c'est 100% vrai, j'en ai déjà acheté. C'est ça le pire. Et ça existe vraiment. Vin de merde. Ce n'est pas une connerie. Regardez ça. Il y a même, on s'en bat les couilles. Putain, mais c'est incroyable. C'est génial. Il y a vraiment de ces trucs. Vin de bagnole. Bon, alors, je pense que il y a une terre en France qui doit s'appeler Bagnole, à mon avis, hein, mais je crois que ça s'écrit avec un S. Bref, donc ceci étant, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous aimez ce concept de vidéo où je fais des recherches sur Google, qu'on part sur des trucs complètement terribles, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, surtout, c'est hyper important, et puis mais j'en referai d'autres, si ça vous plaît, hein, parce que moi j'aime bien. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée, je finis ma vidéo pas comme les autres, en fait, je vous dis juste au revoir.